Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Veuillez nous excuser pour ce grand retard euh, suite à des entretiens qu'on a eus et vous euh, savez, il y a de plus en plus de personnes nouvellement converties qui viennent nous voir pour partager, pour échanger. Et euh, on avait annoncé ce programme à l'origine à 20h30, ensuite on l'a mis à 19h30 et là, bah, on a préféré euh, démarrer à 20h30. Donc vraiment, pardonnez-nous. Euh, pour ce désagrément et je pense quand même que et euh, je crois que vous nous avez pardonné voilà, pour ce retard, ce gros retard que le Seigneur soit béni pour euh, votre amour pour nous, pour euh, la vérité Seigneur nous te bénissons pour ta fidélité nous te bénissons pour ton amour pour euh, ton nom qui est invoqué sur ton peuple que toute la gloire te revienne, Seigneur Adonai Dieu d'Israël, de Yeshua, notre Dieu nous te prions, Amen donc bonsoir à tout le monde hein Bonsoir. Nous sommes là sur le plateau avec des amis qui sont là et euh, bien sûr nous ne faisons pas de la politique et euh, nous ne sommes pas là pour faire une émission sur euh, la politique pour dire aux gens allez vous engager dans un parti politique ou pas. Donc c'est pas notre euh, vision, comme vous savez que nous sommes toujours contre le fait d'associer l'église et la politique et euh, mais et euh, l'église a reçu le mandat donc les chrétiens celui d'apporter la lumière partout, et euh, celui d'apporter l'évangile partout. Et, euh, et euh, nous avons dans les Écritures, par exemple, des gens qui ont été appelés par le Seigneur pour parler aussi à, à certaines autorités. Et euh, voilà, donc euh, nous avons les, le cas de Jean-Baptiste, par exemple. Je ne dis pas que nous sommes des Jean-Baptistes, attention. Et Jean-Baptiste a eu à, à, à parler à Hérode, le roi hein, Hérode, qui avait pris la femme de son frère. Et, euh, et Jean lui a dit la vérité. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Voilà. Donc, euh, et il a été malheureusement arrêté et, euh, et décapité. Oui, mais euh, il lui a dit la vérité. Donc, la vérité doit être proclamée à tout le monde. Et voilà. Peu importe la personne qui se trouve en face de nous, la vérité euh, doit être annoncée à tous. Et ça, c'est notre euh, notre euh, ben, objectif. Et nous voulons euh, obéir au Seigneur. Par exemple, dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 14. On va le lire pour introduire un peu l'émission de ce soir, parce qu'on va parler de la Syrie, on va parler de, de la RDC Congo, et de ce qui se passe dans ces deux pays, voilà. à la lumière de la parole du Seigneur. Or, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu fort célèbre, et il dit, ce Jean qui est baptisé et ressuscité des morts. C'est pourquoi la puissance de faire des miracles agit puissamment en lui. Les autres disaient, c'est Élie. Et, euh, et les autres disaient, c'est un prophète ou comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter, il est ressuscité des morts. Car Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait prise en mariage. Car Jean disait à Hérode Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'est pourquoi Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Il avait du respect pour lui, et lorsqu'il avait entendu, il faisait beaucoup de choses que Jean avait dit de faire, avait dit de faire, car il écoutait volontiers. Mais un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'occasion de sa naissance, donna un festin au grand seigneur de sa cour, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Le roi dit à la jeune fille Donne moi ce que tu veux demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Et il ajouta avec serment Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume? Elle, étant sortie, dit à sa mère, que demanderai-je Et sa mère lui dit, la tête de Jean-Baptiste. Puis, étant revenue en toute hâte vers le roi, et elle lui dit cette demande en disant, en disant, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut irrité, attristé, pardon, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ l'un de ses gardes avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Donc la garde alla décapiter Jean dans la prison. Et apporta sa tête dans un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Ce que les disciples de Jean ayant appris, ils vinrent et emportèrent son corps et le mirent dans un sépulcre. Voilà, donc là, on voit un, un homme dans la Bible, hein, parce que nous voulons nous baser sur la parole à chaque fois, qui va dire des vérités à un roi. Et euh, voilà, donc c'était Jean-Baptiste. Et il y, eu, il y a eu aussi plein, plein de prédicateurs, bien avant Jean, et euh, des gens comme, euh, et, euh, comme euh, Joseph. Qui a eu à donner des conseils à Pharaon. Il y a eu des gens comme Daniel qui a su parler aussi aux autorités. Il y a Nebuchadnezzar, tout ça, notamment, roi de Babylone. Il y a eu Shadrach, Meshach, et Nego qui ont dit la vérité aussi au roi Nebuchadnezzar, tout ça, dans les Écritures. Il y a eu des gens comme Paul aussi qui a prêché l'évangile aussi aux autorités. Et il y a des gens, des prophètes que le Seigneur avait envoyés pour parler sur l'état de leur pays. Par exemple, quand on voit Miché, par exemple. Et euh, on va le lire dans hein, tous ces passages-là. Et euh, Miché aussi a eu à faire beaucoup de prophéties concernant les autorités de son pays. Et euh, par exemple dans Miché chapitre 3, si je ne me trompe pas. Et euh, on regarde le verset... Euh, euh, Après du verset premier, par exemple. Voilà. C'est pourquoi je dis, écoutez, chef de Jacob, et vous, conducteur de la maison d'Israël, n'est-ce point à vous de connaître ce qui est juste vous, haïssez le bien et, euh, vous qui haïssez le bien et qui aimez le mal qui leur arrachait la peau et la chair de dessus les os. Voilà, donc on va voir ça plus tard. Donc on voit bien que Miché aussi était envoyé par le Seigneur pour parler aux autorités en disant non, là, stop, stoppez, arrêtez ce que vous faites parce que ce n'est pas correct. Donc, nous voulons rester bibliques parce que euh, malheureusement beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ne prennent pas position par rapport à la vérité, et encore moins par rapport aux exactions qui se commettent dans certains, certaines villes, certaines nations, certains pays. Et euh, donc, du coup, bah, il y a cette euh, compromission qui s'installe et, euh, et on ferme la bouche et on ne dit pas, on dit rien et on subit. Et ce n'est pas correct. Jésus-Christ lui-même disait après position également et euh, par rapport euh, aux choses qui pouvaient se passer euh, en Israël, notamment euh, quand il était sur terre. Et euh, donc euh, voilà. Donc je voulais avec ces deux passages-là introduire euh, cette émission. Donc on va parler euh, ce soir premièrement de la Syrie sci et euh, avec tout ce qui se passe, parce que vous savez que il y a les, les Écritures nous disent, le Seigneur nous donne des signes concernant euh, son aveulement, concernant son retour, concernant euh, euh, le, le jour, le moment précis où il va euh, venir chercher son église, même si nous ne connaissons pas le jour exact, mais il nous a dit dans Matthieu 24, dans Marc chapitre 13, dans Luc chapitre 21, il nous a donné plusieurs signes, plusieurs éléments qui peuvent, et, euh, qui doivent nous alerter par, par rapport à son retour. Et euh, l'un de ces signes, c'est. Euh, euh, C'est la guerre, des guerres. Il a dit qu'il va y avoir des guerres, des troubles, tout ça. Donc, bien sûr, nous voulons parler de ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Congo, RDC aujourd'hui, euh, parce qu'il y a des troubles, parce qu'il y a des guerres, il y a des, 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 des choses qui se passent. Ces choses-là nous confirment que nous sommes vraiment à la fin de temps. Voilà. Donc, euh, la Syrie, dans un premier temps. Donc, on va aller euh, rapidement dans Genèse. Et euh, vous savez que depuis 2001, la Syrie euh, est euh, complètement. Euh, Comment dire, en trouble, en guerre, et avec beaucoup, beaucoup de décès. Et euh, donc nous sommes dans Genèse chapitre 10. Et euh, je crois qu'à partir du verset et euh, à partir du verset 23, 21. Donc on va lire à partir du verset 21. On va aller vraiment dans les Écritures pour voir et euh, donc, est-ce qu'à sur le côté, vous pouvez mettre, s'il vous plaît, l'équipe, euh, sur le tableau de droite, et, euh, le, les textes grecs, voilà, et hébreux, pardon. Voilà, donc on va mettre l'hébreu. Merci. Donc, Genèse chapitre 10, à partir du verset 21. Voilà, merci. Et il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère aîné de Japhet. Et les fils de Sem furent Elam, Assur, Ar, Pak, Shad, euh, Lud et Aram. Et euh, donc là, on nous parle d'Aram et les fils d'Aram, Ut, Ul, Geter et Mash. Donc, euh, et là nous avons ici, pour la première fois enfin, dans les Écritures, hein, euh, le nom euh, d'Aram. Aram, Aram et, euh, ou encore Araméen. Hein, Araméen, ou encore, n'est-ce pas, euh, la Syrie. Voilà. Donc, nous apprenons ici, on va aller vite fait euh, du côté de l'hébreu pour voir en Syrie, donc Aram. Et, euh, 21. On va cliquer dessus. Et euh, de droite à gauche. On va cliquer, les amis. On va nous aider là rapidement. Là. On continue devant. Encore. Voilà. Là, c'est Hébert. Donc, on n'a pas. On va. On va Là, on est au verset 22. Voilà, donc nous avons Aram ici. Donc vous voyez, Aram ou encore Araméen, donc il veut dire exalté, et euh, Aram ou Syria, hein, the nation. Donc euh, Aram ou Syrie, en tant que donc, nation. Donc vous voyez, l'ancêtre des Syriens s'appelle Aram. D'accord Aram a donné Araméen. Voilà, pour votre information. Et on nous dit que Aram était, n'est-ce pas, descendant ou encore fils de Sem. Donc, les Syriens sont des Sémites. Donc, toute personne qui n'aime pas les Syriens, cette personne-là, les personnes qui n'aiment pas les Syriens sont antisémites. Ce n'est pas seulement vis-à-vis -vis des Hébreux, des Juifs, mais aussi vis-à-vis -vis des Syriens. Donc, ne pas aimer un Syrien, c'est être antisémite. Voilà. Donc l'antisémitisme, c'est de l'antipathie vis-à-vis de descendants de Sem, dont font partie les Syriens. C'est important de le souligner. Donc voilà. Maintenant, autre chose qu'on va rapidement aller voir. Regardez bien. Et euh, nous avons. Euh, donc on a vu que euh, les fils de Sem étaient Elam, Assur. Assur, c'est Assyrien, les Assyriens. Et on va voir. Et euh, autre chose, et les fils d'Aram. Regardez, Aram, c'est-à-dire Syrie. On nous dit, son fils est né, c'est qui Ute. Or, Job était du pays de Ut. Donc, Job était, n'est-ce pas, un fils, n'est-ce pas, de Syrie. Vous voyez Donc, Job était un Syrien. Et je crois que beaucoup ne le savaient pas. Donc, Job, si vous lisez Job, chapitre 1er, on va le voir. Donc on nous dit que les fils d'Aram, Ute, d'accord Job 1, par exemple. Donc on va aller rapidement dans l'histoire biblique, hein, pour, euh, dans l'histoire bien sûr euh, dont parlent les Écritures, l'histoire euh, des nations. Il y avait dans le pays d'Ute un homme appelé Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc on voit ici que Job qui était un Syrien, n'est-ce pas, fils de Syrie, fils d'Aram, c'est un aram araméen. D'accord Un Syrien. Et on nous dit que c'était l'homme le plus, l'homme qui craignait Dieu sur la terre. Il n'y avait pas un homme aussi un tel que Job sur terre. Et il n'était pas du tout juif. C'était un Syrien. Il ne faut jamais l'oublier. Donc on revient en arrière dans Genèse 10 là-bas. 10, euh, voilà, verset, verset 22. Et euh, regardez maintenant ici. Et les fils de Sem furent Elam, Assur, arpakshad Lud et Aram. Et les fils d'Aram Ut, Ul, Geter et Mac. Mach Archapad. Archapad était le frère d'Aram. Archapad était le fils et Ar était le, 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 le fils de Sem comme Aram ou Syrie. D'accord Donc et lui va engendrer qui Il engendra Shelak. Engendra Héber. Et engendra Hébert. Et Hébert, c'est lui qui va être l'ancêtre, celui qui est l'ancêtre des Hébreux. Voilà. Hébreux. Donc, le grand-père des Hébreux, hein, d'Héber, n'est-ce pas? Le grand-père d'Héber était frère de Syrie. Donc les Syriens et les, les Hébreux sont de la même famille. Vous comprenez C'est la même famille. Donc, ce sont, on va dire, un peu de cousins. Mais euh, voilà, ils ont le même père, le même ancêtre, Sème. D'accord Voilà. Donc, vous comprenez maintenant, vous allez voir que tout au long de l'histoire juive et l'histoire syrienne, ces deux peuples ont toujours connu la guerre, se sont toujours combattus. Les Écritures parlent énormément de Damas. Vous voyez De Damas. Voilà. Donc... Euh, Damas. On va voir dans. dans euh, euh, par exemple, dans Ésaïe. Chapitre 7, verset 8. Car la tête de la Syrie, c'est Damas. Et le chef de Damas, c'est Ritzin. Encore 65 ans, Ephraim sera froissé pour naître pour n'être plus un peuple. Voilà. Donc on voit bien que Damas, la capitale de la Syrie, les Écritures en parlent. Hein Donc c'est dans la Bible. Voilà. On va prendre un autre passage dans 1 Chronique, et, euh, chapitre 18, versets 5 à 6. Et là, euh, je crois qu'il y a une prophétie, là. Regardez bien. Donc c'est en fait la guerre qu'il y avait. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarazer, roi de Soba. Et David battit 22 000 Syriens. 22 000 Syriens. Donc, verset 6, puis David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Yahweh sauvait David partout où il allait. Donc, vous voyez qu'il y avait beaucoup de guerres, plusieurs guerres entre Syrie, la Syrie et, n'est-ce pas, les Hébreux les, les, et Israël. C'était les gens de la même famille. Vous voyez Donc, les Syriens ne sont pas arabes. Ce sont des, des, des Araméens, ce ne sont pas des Arabes, parce qu'il y a une confusion hein, dans la tête de beaucoup. Voilà. Et euh, comme les Libanais, les, 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 les Iraniens, ils ne sont pas arabes. Ils sont, ce sont des phéniciens. Voilà. Donc, on va prendre un autre passage là. Et, euh, et euh, dans Jérémie, chapitre 49. Ésaïe 17. Esaïe 17. 1, Ésaïe 17, 1, Ésaïe 17 1. Alors, regardez bien. Prophétie sur Damas. Voici, Damas est détruite pour ne plus être une ville, et elle n'est plus qu'un monceau de ruines. Est-ce qu'on peut nous montrer une image par rapport à Damas, par rapport à, aux villes de Syrie, si on peut trouver ça où il y a vraiment des ruines Donc, quand on parle ici de Damas, donc il faut comprendre que c'est toute la Syrie en fait. Hein? Donc, on ne parle pas. Donc, quand la Bible parle d'une ville, donc c'est en même temps tout le pays. Donc, vous voyez bien que nous sommes au 8e siècle et Dieu par Esaïe le prophète. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Esaïe le prophète prophétise que la Syrie ou Damas allait être euh, détruite et, euh, et un monceau de ruines. Vous voyez Donc, c'est quand même terrible. Et, euh, et, euh, donc, on nous dit. Les villes d'Aroer sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux qui se reposent et il n'y a plus, il a personne qui les effraie. Il n'y aura plus de forteresse en Ephraïm ni de royaume à Damas et dans le reste de la Syrie. Dans le, vous voyez, c'est toute la Syrie et dans le reste de la Syrie. Vous voyez, et ils seront comme la gloire des enfants d'Israël, dit Yahweh des armées. Voilà, donc, euh, alors on va aller voir les images, là, si vous avez trouvé les images de la Syrie, là, Alep, tout ça notamment. Et vous euh, voyez, c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir présentement. Donc, une des raisons pour lesquelles Damas, euh, la Syrie, connaît cette guerre, selon les Écritures, parce que nous sommes dans la prophétie biblique, c'est parce qu'il y a eu cette prophétie qui avait été libérée et, euh, au 8e siècle. Et regardez les ruines. Vous voyez comment la parole du Seigneur est précise. Vous voyez donc, euh, donc, ça veut dire que 2800 ans après, cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et euh, donc, ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les Écritures qui le disent. Donc, la première raison pour laquelle il y a cette guerre là, c'est parce que bah, il y a certainement euh, bah, c'est l'accomplissement de cette prophétie biblique. Et euh, regardez-moi toutes ces ruines. Et euh, c'est voyez la précision de la parole du Seigneur. Alors pourquoi cette prophétie Dieu a ses raisons. Peut-être même à cause de l'idolâtrie, je ne sais pas. Mais euh, et, euh, pourquoi Parce que vous savez que euh, Damas, comme la, la Syrie, euh, ce sont des, 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 des sémites. Donc Sem était le fils, euh, le, 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 le fils aîné de Noé. Donc Sem avait, reçu la, le, le, avait le droit d'aînesse. Il avait reçu aussi l'autorité pour euh, gouverner certainement les nations. D'accord Donc, et, euh, ben. Et il y a eu certainement le péché, et puis bon, le Seigneur a, a jugé. Donc c'est d'abord l'accomplissement de cette prophétie-là. Voilà. Et, euh, et euh, voilà. et donc on a compris un peu l'histoire rapidement de la Syrie, parce que je ne vais pas dans les détails, mais nous voulons nous arrêter seulement sur les passages qu'on a, les quelques passages qu'on qu vient de lire. Là. Donc on a compris que la Syrie est, fait partie des descendants de Sem euh, C'est-à-dire, ce sont des cousins, les Syriens sont des cousins des Hébreux. Hein, C'est la même famille. Et il y a toujours eu de guerre entre les deux peuples. Voilà, depuis la nuit des temps, depuis toujours. Et euh, on va prendre un autre passage dans Jérémie 49, 24, par exemple. Jérémie 24, 45. 40, euh, 49, 24. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici Damas est défaillante, elle se retourne pour fuir. Donc, vous voyez, Damas elle, elle est défaillante, Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir. Euh, et la panique la saisit. L'angoisse et le la douleur la saisissent comme une femme qui enfante. Comment n'est-elle pas abandonnée, la ville de louange, la cité de ma joie Car ces jeunes gens tomberont dans les places et tous ces hommes de guerre périront en ce jour-là, dit Yahweh des armées. Et je mettrai le feu à la muraille de Damas. Qui dévorera le, les palais de Ben-Hadad. Vous voyez Donc, vous voyez, c'est terrible. Hein donc, on va montrer le feu en Syrie. Vous euh, voyez, Nana, comment les écritures sont précises. Hein Et euh, euh, comment n'est-elle pas abandonnée En fait, là, c'est une prophétie qui s'accomplit aujourd'hui aussi. Et euh, donc, beaucoup de Syriens quittent aujourd'hui euh, euh, la Syrie. On va trouver des informations sur le nombre exact des Syriens qui ont quitté la Syrie. Et euh, parce qu'on se pose des questions, mais pourquoi cette guerre, tout ça, pourquoi tous ces troubles Et bien, euh, voilà, comment n'était-elle pas abandonnée la ville de louange, la cité de ma joie Donc, Stamas était la cité de la joie de Yahweh. voyez Donc, certainement, à cause du péché, de l'idolâtrie, ben, le jugement est tombé. Et. Euh, vous allez me dire, mais oui, d'autres peuples commettent pire que ce qu'eux, ils ont dû commettre. Certainement, mais ça, c'est en fonction aussi de l'appel que chacun a reçu. Chaque pays a reçu un appel du Seigneur. Chaque peuple a reçu un appel. La Syrie a reçu un appel particulier, certainement, et euh, par rapport aussi à d'autres peuples. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont du sang de Sem, euh, qui était un homme intègre. Donc, euh, voilà. Et euh, c'est terrible, hein, Philippe. Comment n'est-elle pas abandonnée la ville de louange, la cité de ma joie Car ces jeunes gens tomberont dans les places. Et euh, Donc là, on voit les jeunes qui tombent dans les places, sur les places publiques, tout ça là. Et euh, je ne sais pas si on a les images. Et euh, Donc on peut, on peut y balancer. Voilà. Vous voyez le feu Comme Esaïe l'avait dit, Dieu avait dit :« J'enverrai mon feu. J'enverrai mon feu. » Voilà. Donc euh, et, euh, et les jeunes gens tomberont. C'est terrible. Comment cette parole, cette prophétie s'accomplit aujourd'hui, de 2800 ans après, et euh, le prophète isaïe avait prophétisé. Donc, on peut nous montrer les images maintenant des gens qui, qui abandonnent la ville, qui fuient, tout ça. Ben, ça inspire la, la crainte, nana. La parole. T'as vu Philippe, terrible. C'est terrible comment les écritures sont précises et, et, et vraies, et dignes de confiance. Et euh, à chaque fois, je, je suis dépassé par la puissance de la parole. C'est fort, c'est impressionnant. Et euh, donc, euh, on continue dans les images là. Donc, les jeunes gens qui tombent hein, dans les places et tous ces hommes de guerre périont à ces jours-là. Et euh, donc, c'est maintenant. Donc, en ce jour-là, en ce temps-là, il est question de temps messianique, de temps où Dieu, ben, de temps où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Et on y est pratiquement. Le Seigneur est en train d'intervenir. Il est en train de revenir en tout cas. Donc voilà. Je mettrai le feu à la muraille de Damas. Voilà. Regardez. Euh, elle est abandonnée comme Isaïe l'avait dit. C'est quand même terrible. Hein Donc euh, on, vous, on vous épargne les, les images des enfants qui tombent, qui meurent. Et, euh, mais rapidement, on peut voir... Quelques, voilà, rapidement, les images qui, qui sont là. Voilà, regardez tous ces, toutes, toutes ces ruines et, euh, ces enfants qui, sont, qui tombent, ça fait mal, mal. Et les euh, guerriers, les hommes de guerre, comme Jérémie l'a annoncé. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc d'abord, c'est l'accomplissement de la prophétie biblique. Hein et euh, voilà. Et, euh, donc voilà et vous allez comprendre pourquoi aussi cette guerre. Donc euh, d'abord parce que sur certainement c'était le jugement du Seigneur, c'est le péché. Le Seigneur a jugé, le Seigneur juge. Et euh, bon, pour les inconvertis, ils vont pas comprendre mais pourquoi, pourquoi votre Dieu agit comme ça? Dieu n'y est pour rien et euh, tout ça. Et euh, c'est nous, 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 les, les humains, c'est nous qui l'avons abandonné. Amen. Et euh, voilà. Maintenant, on a compris que c'est la, la, la prophétie qui s'accomplit. Donc les prophéties de Désir et de Jérémie, le prophète. Et, euh, et euh, la deuxième raison pour laquelle il y a ce, cette guerre-là, c'est aussi les richesses de cette nation. C'est une nation qui euh, régorge de beaucoup de richesses. Par exemple, là, il euh, y a le pétrole. Donc, en 2000, la production était de 25,4 millions 400 000, hein, de tonnes, avec des réserves de, 30, de 350 millions de tonnes dans le nord-est du pays. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, il y a beaucoup de pétrole. Et euh, donc, les nations convoitent cette richesse-là. Donc, euh, c'est une nation que Dieu a bénie hein, avec des, des ressources naturelles. Et il euh, y a du gaz. Et vous savez que le gaz aussi, on en a besoin. Et euh, donc, le gaz, c'est euh, 6 300 millions de mètres cubes en 1999 avec des réserves de, n'est-ce pas, 241 millions de mètres cubes. C'est aussi énorme. Voilà. Donc, euh, le gaz. La plupart des guerres dans monde, c'est la cupidité toujours. Voilà, c'est la cupidité de l'homme voilà, et euh, de grandes puissances. puissance. Voilà. Et il euh, y a aussi de l'électricité en 2002, 25 milliards de kilowatts euh, ah. grâce au barrage sur le frat. Actuellement, 30 milliards en partie exp exportés. Donc, euh, vous vous rendez compte, le frat donc un, un fleuve euh, dont parlent les écritures donc euh, c'est quand même terrible et euh, c'est un pays vraiment vraiment béni par le Seigneur. et à cause, de, à cause de la richesse de cette nation et fa euh, phosphate ben, 2 millions euh, 2000, euh, 2 millions et euh, c'est ça non, 2175, ah, non 2 soixante deux millions cent tonnes en 1999 donc, euh, dixième rang mondial dans le centre du pays. C'est quand même énorme. Vous voyez, ensuite, ensuite d'autres richesses. Vous avez tout ce, tout ce qui est manganèse, tout ça, chrome, fer, marbre, gypse, lignite, tout ça, asphalte, sel. Il y en a plein d'autres. Donc, c'est un pays vraiment que le Seigneur a béni. Et euh, tout ça, ben, ça provoque la convoitise. Et euh, ça suscite la convoitise de grandes puissances. Voilà. Donc, euh, et. Euh, et euh, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et euh, c'est à cause de cette richesse-là eh ben les, les charognards hein, veulent gérer cette nation euh, et euh, tout ça. Et euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que nous avons Sachez que et, euh, la Syrie est soutenue par la Russie. D'accord Et euh, la Syrie est soutenue par la, par la Russie. La Russie, pardon. Et, euh, et la Chine, donc la Russie et la Chine euh, soutiennent militairement, euh, militairement, euh, militairement, tout ça euh, et, euh, cette, cette nation. Et la Syrie, bien sûr, et comme vous l'avez compris, a toujours été l'ennemi hein, des Juifs, donc d'Israël. Et Israël, quant à cette nation, elle est soutenue bien sûr par les États-Unis. Et une grande partie de pays européens, notamment la France. Donc, vous avez en fait actuellement la, la, la Syrie qui est au centre, pratiquement, de deux grandes deux blocs, en fait, au milieu de deux blocs. La Russie et la Chine d'un côté, les États-Unis et certaines nations européennes de l'autre. Donc, ça veut dire quoi, pour votre information Les Écritures nous disent qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Et regardez, on nous parle du fleuve Le Frat, mm -hmm. D'accord Qui passe par la Syrie. Mm -hmm. Et on va voir dans Apocalypse 16. Donc vous allez voir que le conflit actuel est un conflit qui va certainement se déboucher, hein, déboucher sur la troisième guerre mondiale. Voilà. Cette guerre va, n'est-ce pas, permettre au Seigneur de revenir rapidement. Le second, verset 3. Et euh, non, verset. Euh, à partir du verset 6, je crois. Euh, verset, non, on va descendre encore un peu. On va voir le verset 12. Voilà, c'est bon. Puis le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, le l'Euphrate, et son eau afin de préparer la voie des rois venant du côté où le soleil se lève. Donc, vous vous rendez compte euh, C'est-à-dire. Euh, les rois de l'Est, les nations de l'Est, et ce sont essentiellement des nations musulmanes. La Jordanie, tout ça, la Cisjordanie, et euh, il va y avoir aussi la Chine, certaines nations de l'Asie, euh, comme l'Inde, hein, tout ça, le Pakistan et, euh, notamment, et euh, la plupart des pays musulmans, hein, qui vont bien sûr euh, être derrière la Russie et la Chine. Gog et Magog, tout ça, donc la Russie, tout ça là, le roi du Nord. Et euh, donc, vous vous rendez compte, ici, mes amis, ça veut dire que le frat va sécher pour préparer la voie aux rois qui viennent de, euh, de l'Est. Et regardez au verset 14, et euh, 13, pardon, « Et je vis sortir de la gueule du, dra du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. » Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de, de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le verset qui suit Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les assemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, le conflit actuel de la Syrie, pour votre information, mes amis, va, n'est-ce pas déclencher, logiquement, la troisième guerre mondiale. David, on va nous trouver des articles où des gens parlent ouvertement que, cette, que ce conflit va, n'est-ce pas, aussi, euh, va, va certainement euh, ouvrir, ouvrir la, la voie, hein, donc euh, va déclencher la troisième guerre mondiale, parce que euh, la, la, la Russie est prête, avec Poutine, à cette éventualité. Voilà. Donc, vous savez que depuis quelques mois, quelques mois, la Russie est de plus en plus, euh, comment dire, isolée par les nations européennes. Hein, donc, et euh, à cause de sa position, à cause de sa politique. Et euh, donc, c'est vraiment la troisième guerre mondiale qui se profile. Alors, à en croire les médias russes, il faut se préparer à l'imminence d'un nouveau conflit international après la rupture le 3 octobre des négociations entre Washington et Moscou sur le conflit syrien. La troisième guerre mondiale n'aura probablement pas lieu, mais pour quiconque allume son téléviseur en Russie, elle a déjà commencé. Sur la première chaîne d'État, c'est le, le présentateur de l'émission phare du dimanche soir qui annonce que les batteries antiaériennes russes en Syrie vont abattre les avions américains. Sur la chaîne d'information en continu Russie 24, c'est un reportage sur la préparation des abris antinucléaires à Moscou. Donc vous voyez, et euh, même Ankara, qui est le partenaire aujourd'hui privilégié de la Russie, hein donc la Turquie va aussi être en, va rentrer en conflit du côté des Russes. Donc ça va être la guerre, la troisième guerre mondiale. Donc ce n'est pas un petit conflit. Il ne faut pas oublier que la Syrie, la, la, la Syrie, pardon, et euh, je crois si je ne me trompe pas, euh, chiite. D'accord Donc euh, euh, soutenu par, n'est-ce pas, l'Iran. L'Iran, c'est l'ours. L'Iran euh, qui est en conflit aussi avec l'Arabie saoudite, qui est sunnite. N'est-ce pas? Donc deux courants majeurs chez les musulmans dans l'islam les sunnites et les chiites. Donc l'Arabie saoudite est sunnite et la Syrie est chiite, avec l'Iran qui est aussi une théocratie chiite. Voilà. Donc vous voyez, ça va être un conflit à la fois, mes amis, religieux et comment dire, économique. Donc nous sommes vraiment déjà, nous sommes déjà avec le terrorisme et tout ça notamment, en, au début de cette guerre, euh, cette troisième guerre mondiale dont parlent les écritures. Voilà. Et euh, Syrie, la Syrie, Ankara s'inquiète des risques de troisième guerre mondiale. Après les médias russes, la, la Turquie estime que le conflit syrien pourrait dégénérer en vaste guerre régionale, voire même mondiale, si la Russie et les États-Unis trouvent, ne trouvent pas d'accord. Voilà. Donc, euh, et, euh, on voit bien hein, que c'est là. Voilà. Donc, c'est la prophétie qui s'accomplit. Et, euh, et bien sûr, euh, et, euh, et, euh, Israël est juste à côté. Donc, vous voyez, juste à côté. Et, euh, et vous savez que euh, Damas est à peine à, est à 200 kilomètres à peine de Jérusalem. 200 kilomètres. Donc, ce n'est pas vraiment beaucoup. Hein. Et, euh, et Dieu dit dans Zacharie 12, justement, que les nations qui sont autour d'Israël vont lui faire la guerre. Donc, on est à la fin, mes amis. Et euh, on est à la fin de temps. Préparons-nous pour le retour du Machia. Voilà. Et nous souffrons beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'enfants syriens qui meurent. Il y a déjà ce conflit qui a débuté en 2011, a déjà fait près de 370 millions, non, 370 000 morts, hein, victimes. Et c'est énorme, énorme. En, six, en cinq ans, il y a près de 360, même 380 000 victimes. Donc c'est énorme, mes amis. La barbarie. Les hommes sont devenus barbares, des barbares, pires que les animaux. Encore les animaux, ils tuent pour manger. Mais les hommes tuent par jalousie, pour, pour le plaisir. C'est devenu, la mort est banalisée. Non, c est, c est, c est. Moi, je voudrais ce soir vraiment... Qu'on qu encourage les frères et sœurs qui sont en Syrie, qu'on encourage les Syriens et les Syriennes, compris pour cette nation, que le Seigneur euh, leur vienne en aide. Et euh, nous n'allons pas, par nos prières, bien sûr, euh, empêcher que les guerres euh, se, 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 comment dire, soient déclenchées, parce que les Écritures nous disent que ça va arriver, mais nous pouvons, par, par, parfois, par nos prières, euh, repousser un peu l'échéance de certaines guerres et aussi permettre à ce que des gens, des âmes soient sauvés en entendant, en écoutant la parole du Seigneur. Voilà. Donc, en tout cas, ce soir, c'est vraiment pour encourager les frères et sœurs de la Syrie et nos amis syriens et syriennes et vraiment à persévérer dans le Seigneur, à, chercher, à rechercher le Seigneur. Oui, il y a des nations qui pêchent, qui ont pêché plus que la Syrie, certainement, mais la Syrie, comme je le dis, a un appel assez particulier car ce sont des Sémites. Et Sem n'était pas n'importe qui, mes amis, c'était quand même le fils, le premier fils, le fils, le fils aîné, hein, le premier-né de Noé, donc avec un appel assez particulier. Voilà, Sem était appelé à régner, à dominer sur euh, les nations et tout ça. Donc euh, ne ai pas aimer la Syrie, ne ai pas aimer les Syriens, les Syriennes, c'est euh, anti-biblique, c'est de l'antisémitisme et tout ça. Donc nous devons, nous en tant qu'Église, prier aussi pour la Syrie, voilà, que Dieu vienne en aide à cette nation. Donc euh, on dit Yeshua. Donc on va faire une pause tout à l'heure. On va revenir sur euh, dans quelques minutes pour aller euh, pour parler de la RDC et ensuite on va prier un tout petit peu. Merci. Ouais. Ouais.